Bonsoir tout le monde. Bonjour. Ça dépend de l'an qui zone ou y est. Là, on va regarder cette conversation ça. Bienvenue à question-réponse. C'est rubrique ça à côté que Pipo Saint-Louis répond aux questions de ses auditeurs. N'a pas excusez-moi pour quelques semaines d'absence. Et c'est tout simplement pour des raisons familiales assez difficiles. Nous n'avons pas en mesure pour nous répondre aux questions. Yo. Mais ne vous inquiétez pas. N'a pas répondu toutes questions. Yo. Là, pour nous répondre. Yo. Continuez vos questions pour nous. Nous avons un pile de questions. Et je dis à nous décider pour nous répondre. Et j'ai Agnès Bion, si je ne m'abuse, qui pose aux questions. Est-ce que compas direct fait en 1955? Et c'est une question qui fait un pile de débat. Il fait un pile de débat. Moi-même, j'ai essayé de porter une petite lumière pour nous à partir de ça me connaît, à partir de sa recherche. Et tout ça, il est basé sur des données historiques. Compas direct 1955. Et n'a pas répondu deux questions aujourd'hui. N'a pas parlé de est-ce que le compas direct est fait en 1955 et pour qui ça nous, même personnellement, nous toujours prenons un compas ou combat pour écriture compas direct là, c'est au MPAS. D-I-R-E-C-T. Je nous dis à une orthographe française. Ok, on va aller dans le premier aspect question. 1955, le 25, dans la nuit du 25 au 26 juillet 1955, Nemo Jean-Baptiste et son orchestre à l'époque, qui était le Conto International, pas le fait première prestation yo en public l'an place Saint-Anne. Dans la nuit du 25 au 26 juillet 1955. Ça, pas une discussion là-dedans. Le Conto International, et sous la houlette du maestro Nemo Jean-Baptiste, va faire sa première prestation en public à la place Saint-Anne. Pas une discussion. Est-ce que l'époque, ça, compas direct est déjà créé? La réponse est non. Compas direct peut être créé en 1955. Il peut être créé. Et il est facile pour nous vérifier, il prend n'importe quel album Nemo de 1955 jusqu'à 1957. Nous avons que en deux répétitions de Nemo, nous avons joué les Green Sewell là, ça nous les troubadours là, et puis avec des rythmes qui sont en deux Green Sewell là, qui ont été les bananes pouillac avec Green Mondong. C'est surtout ça nous avons joué que Nemo, Jean-Baptiste a joué, et puis avec des influences de la République Dominicaine, de orchestre typico Sibaéo, pour nous citer ça seulement. Donc c'est ça qui était un dans répertoire Nemo là. Dans la composition de Nemo, c'est influence ça qui était traversé li, entre 55 et 57. À partir de 57, Nemo Jean-Baptiste pral fait pour deux premières musiques compas direct yo sorti exactement en 1957. N'a joine Machan Calbas avec deux tipiti Calbas. C'est deux premiers titres compas direct, excusez-moi, qui sorti en 1957. Pas une discussion comme je le dis. C'est facile à vérifier. Kounien là, en 1959, Nemo Jean-Baptiste parle de musique qui est le Yas. En de Yas là, c'est la première fois que Julien Paul, chanteur de l'orchestre, de l'ensemble au Calbas, parce que Nemo a quitté non Kounto International là, pour le tourner l'ensemble au Calbas, lui prend un nightclub qui était hébergé le Keskof là, qui était le au Calbas, lui vient balayer le jazz ensemble au Calbas. Donc en 1959, Julien Paul parle répéter publiquement, c'est la première fois que mot ça parle prononcer, compas direct, en 1959. 1967, ça c'est le dernier clou qui pour clouer ça, c'est une capable de dire comme ça. 1967, Nemo Jean-Baptiste parle fait aux musiques qui relèvent Vive Compas. Dans Vive Compas, Nemo Jean-Baptiste dit clairement, ok, c'est compas direct que tout le monde lui voulait, oui, depuis 10 ans, n'a joué compas. Musique ça a sorti en 67. Donc là, elle dit depuis 10 ans n'a joué compas, lui fait référence à 57. Qui, c'est en 57 que deux premières musiques compas direct yo sorti. Ça, ce sont des données historiques. Donc, n'a répété encore une fois, entre 55 et 57, en d'un répertoire, le Conto International qui parle venir par la suite, l'ensemble au Calbas, n'a joué une grande bonhomme, grande mondong avec banane Ponyak, surtout comme deux rythmes qui étaient en d'un répertoire. C'est évident que en d'un, on a senti des démarches qui peut-être pas le mener là, faut pas direct là, mais faut pas direct là pour prendre forme entre 55 et 57. Il parle comment c'est prendre forme ni vraiment en 57 avec deux musiques ça au là, deux typiques calbas avec Machan Calbas, et puis il parle fin prend une forme presque définitive au début des années 60. Et en 67 côté compas direct là fin chita avec tout l'autre ajout parle gain là dans sortir dans timbales tomber en batterie vin avec gong dans ça nous les cloches là qui parle vin chita net au début des années 60. OK, 67 Nemo va faire musique ça qui relève Vive Compas. Donc ça c'est information que nous capables de vérifier tout simplement. Là, en fait, si vous cherchez nous, c'est pas difficile à trouver.
Ça, c'est le premier aspect question. Donc, il est clair que en 1955, ça n'a pas fêté, c'est n'a pas fêté la première prestation ou bien la présentation de Nomo Jean-Baptiste devant le grand public. Nomo Jean-Baptiste, c'est le Conjunto International. 1955, c'est la première prestation de Nomo Jean-Baptiste en public avec le Conjunto International. C'est pas la création du compas direct, Jean n'a pas fêté là. Il n'y a pas un problème que n'a pas fêté. Et 25 à 26 juillet, parce que ça se fait, Nomo Jean-Baptiste qui parle créer rythme, qui parle jusqu'à présent faire nous danser, plus d'une soixantaine d'années après, ça se fait, il méritait que vous commémoriez. Mais pour rétablir les faits historiques, il est clair que le compas direct n'a pas de créer en 55. Ok. Deuxième question que plusieurs m'ont posé, je vois que, en pile fois, je prends bâton pèlerin moins, que m'a demandé pour tout mon écrit compas direct, COMPASDIRETC. A pas de dire qu'on est interdit pour ne écrire compas en créole, j'en dis là. Naturellement, quelque part, si on a entré dans une série de règles, sont faut lier, parce que nous connaissons que nos propres, mag déposé, moun pas changé autographe ça. J'en ai dit là, c'était que Coca-Cola ou pas qu'à écrire en créole, c'était que Prestige ou pas qu'à décider d'écrire en créole. Bon, on dit que nous-mêmes, nous décidons d'écrire compas direct en créole, ou bien compas en créole, il n'y a pas qu'à enlever personne de ça. Mais nous avons un pile de confusion dans la tête. Nous avons un pile dans nous qui écrit compas direct K-O-M-P-A. Là, nous entrons dans la logique créole. Là, l'on dit K-O-M-P-A ou pas dit compas ou dit compa. Ça veut dire que c'est une faute déjà. Et ça qui est comique là-dedans, c'est que c'est une règle grammaticale française que nous appliquons dans soi-disant orthographe créole. Une règle grammaticale française qui dit que devant B devant B et P, on met la lettre M. Ça, c'est une règle grammaticale française que nous appliquons, soi-disant, en autographe créole, pour les gens qui écrit K-O-M-P-A. Ça, c'est une faute grave. OK? L'autre bagaille encore. Allant tout autographe, à l'époque de Nomo Jean-Baptiste, Zelle tape créé compas direct, il n'est pas difficile. Tous les albums de Nomo Jean-Baptiste, n'a pas compas direct écrit C-O-M-P-A-S-D-I-R-E-T-C. Sous tout album de Nomo Jean-Baptiste, sous toute musique de Nomo Jean-Baptiste écrit. Côté texte écrit, qui est compas direct, c'est comme ça l'écrit. Elle dit, c'est comme ça, monsieur, mettre compas direct là, c'est comme ça l'écrit. Écrit. Ok? Elle beaucoup plus loin encore, elle sous tambou, côté Zé du Ozoa. Ok? Tambourine de Nomo Jean-Baptiste, après photo, côté Zé qui est un tambour, et puis après sous tambour, elle écrit compas direct, C-O-M-P-A-S-D-I-R-E-T-C. C'est le bagage qui n'a pas trop de discussion là-dedans. Si vous voulez faire discussion avec vous, et soi-disant pour entrer dans de considération linguistique, bon. Je ne vais pas empêcher de faire des discussions. Mais si nous avons des données historiques, l'écriture originelle qu'on parle, elle est créée, c'est orthographe française, C-O-M-P-A-S-D-I-R-E-T-C. Donc, en ce qui me concerne, par respect pour mémoire nègre, qui était créée avec, je ne pense que personne n'a autorisation pour changer la création, monsieur. Et même, j'aime Zulia, nous avons respect pour toute marque qui sortait à l'étranger, mais nous choisissons que nous-mêmes, nous devons changer. Et un bagage qu'on a créé et que lui pratiquement tournait au Mac déposé. Parce que tous les albums de Nomo Jean-Baptiste, c'est comme ça l'écrit. Et qu'on y a même les nous, on série de références que nous avons pris. Personne ne peut côté Nomo qui sorti avec mon compas direct là. Il y a plusieurs versions. Mais, lui tout aussi vrai tout que un groupe que Nomo te remet en pile, qui était le Conjunto Dominicano, n'a pas ces mêmes initiales, c'est D. Donc, ça c'est peut-être un élément de réponse à choix, monsieur Fer, pour le rythme que le pal créer, compas direct. Donc, je pense que moi, plus ou moins, un peu de temps, fait la lumière pour nous sur ça. Donc, nous-mêmes, nous avons tiré conclusion, nous voulons, nous avons fait débat si nous voulons. Mais, pour me conclure, je dis tout simplement, pour me faire rappel à deux questions. Première approche, c'est que en 1955, compas direct pour te co-créer. En 1955, en donne Nomo Jean-Baptiste, c'est Gren Siwal qui t'a joué, Gren Mondong, Banane Ponyak, bon, trois rites qui t'a joué, avec des influences qui sont Cuba, qui sont République Dominicaine, ça, on aurait la meringue. Pour avoir un deux répertoire, monsieur, la forme d'arrangement, monsieur, côté que monsieur, tu as un Conjunto Dominicano que nous citons là comme modèle, côté que monsieur, tu as joué sous les formes qui t'a rappelé Typico Sibaeo. Ça c'est deux premières. Quand il y a un autre là, orthographe, compas direct là, il n'y a pas de discussion, Nomo Jean-Baptiste créé rite là, lui écrit C-O-M-P-A-S-D-I-R-E-T-C, en atteste tous les albums de Nomo Jean-Baptiste jusqu'à sa mort. Tout album yo compas direct écrit C-O-M-P-A-S-D-I-R-E-T-C. Donc c'est une chose pour ne pas respecter mémoire monsieur ya, œuvre li ya, création monsieur ya, bah c'est le seul haïtien pour entrer dans la démarche ça, soit disant au nom de la linguistique. Donc merci tout le monde, n'a pas prochaine fois pour moi essayer
dans la mesure de possibilité, me répondre quelques questions que nous posez. D'ici là, je dis à tout le monde, bonne fête, compas. Et puis, parallèlement, on a profité présenter sympathie nous à famille Tabou Komboa, à famille Monsieur Hermano, qui était un monde que nous connaissons personnellement, avec lequel nous avons de très bonnes relations, un monde qui te remet nous et un monde que nous te remet et respecté. Donc, respect Hermano, que ton âme repose en paix, que bon Dieu accueille vous, bon côté lui, et puis pour le porter toute bénédiction pour famille. Donc, Haïtiens, tout partout, Kembela, Palagé, restez positif, priez pour Haïti et songez bien, quel que soit, je ne vais pas la grave, ni pas qu'à rip comme ça. C'était Pipo Saint-Louis, bonsoir, bye bye.